Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons les housses IEM. IEM veut dire Enfield Sport, c'est un fabricant britannique qui développe, conçoit et fabrique des housses à fusil. Ce sont des housses à fusil d'une grande qualité puisqu'elles sont fabriquées en tissu Cordura Mildenier, qui est un tissu qui est très résistant à l'abrasion et qui est notamment très utilisé par les militaires puisqu'il est notamment également déperlant. Ces housses sont très connues en fait des tireurs sportifs et des militaires puisqu'elles sont disponibles dans 4 longueurs, soit pour transporter vos fusils d'assaut mais également vos carabines de tir longue distance. En effet, ces housses sont disponibles dans, comme j'ai dit, dans 4 longueurs, une pouvant accueillir vos fusils jusqu'à 1 mètre de longueur, la seconde jusqu'à 124 cm de longueur, la troisième jusqu'à 140 et la dernière jusqu'à 150 cm de longueur. Les principaux avantages et les caractéristiques qui font qu'elles sont très appréciées, que ce soit par les militaires ou par les tireurs, fait que comme vous pouvez le voir sur le dessus, vous avez une chaussette. Cette chaussette en fait sert pour les snipers lorsqu'ils sont en phase d'approche, lorsqu'ils rampent sur le terrain, de ne pas abîmer en fait l'avant de la housse et de ne pas faire entrer de débris. Donc comme vous pouvez voir, c'est une housse qui vient s'enlever rapidement grâce à deux boucles Fastex. Ensuite, sur l'extérieur, on a une très grande broche utilitaire ici qui permet en fait d'accueillir éventuellement vos chargeurs. Comme vous pouvez le voir, ce sont des grands passants élastiques. Donc contrairement à des housses avec des passants mollis pour lesquels vous êtes obligé de mettre des poches accessoires, là ce n'est pas nécessaire. On peut également mettre des baguettes pour le nettoyage si vous le souhaitez. Sur le bas de la housse, nous avons une deuxième poche cargo où là-dedans, avec deux poches à souffler élastiquées, vous pouvez mettre notamment les nécessaires de nettoyage par exemple, et une petite poche avec une ouverture zippée fendue dans laquelle vous pouvez mettre par exemple vos documents ou de la petite ciblerie. Comme vous pouvez le voir, toutes les housses ont une fermeture éclair double curseur, donc très simple d'ouverture, avec un rabat sol dessus de façon à la rendre plus ou moins imperméable aux éléments pour éviter que des débris ou de la boue viennent se mettre à l'intérieur. Le portage se fait avec une poignée. Les deux poignées donc sont renforcées et se regroupent entre elles. Mais sur la partie arrière, vous avez également une autre poignée. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, vous avez également un vrai harnais de portage. Donc ça fait que vous pouvez l'utiliser par exemple à moto, mais également lors des phases de progression, on peut vous déplacer d'un pas de tir à l'autre. Nous avons également de nombreux clients dans le domaine de la chasse qui l'utilisent par exemple pour la battue, de façon à pouvoir aller au poste. Cet harnais se compose donc de deux bretelles matelassées qui sont entièrement réglables, sur la partie haute comme sur la partie basse, une sangle sternale et ensuite également une sangle abdominale pour passer autour de la taille. Comme vous pouvez le voir, il y a des mousquetons métalliques, donc ça permet éventuellement de retirer le harnais ou tout simplement de le replier dans la poche qui est ici centrale lorsqu'on ne souhaite pas l'utiliser et qu'on souhaite avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Ensuite, deux boucles de Fastex permettent également d'assurer la fermeture du compartiment principal dans lequel se trouve votre arme. La housse est entièrement matelassée. Donc vous avez de la mousse sur les deux parties, sur le fond, mais également sur le rabat supérieur, ce qui fait que vraiment sur les quatre côtés, votre arme est protégée. C'est une mousse alvéolaire qui n'absorbe pas l'humidité, donc idéale pour l'utilisation en extérieur. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit rabat avec une poche qui permet également effectivement de mettre une tige à l'intérieur, notamment pour le nettoyage si vous avez besoin. La partie basse de la housse, vous voyez un petit soufflet pour venir mettre le talon de crosse de votre arme. Et ensuite, donc, vous avez quatre passants sur toute la longueur de la housse. Ces passants sont avec des boucles. Les boucles sont protégées par une sangle de façon à ne pas venir abîmer votre arme sous le dessous lorsque vous avez un beau fusil. Et donc, grâce à tous ces petits passants et ces coutures, vous pouvez régler entièrement l'ajustement et la position de chaque sangle de façon à pouvoir l'adapter et l'ajuster au mieux pour maintenir votre fusil à l'intérieur. Voilà. Donc, ces housses sont disponibles enfin en quatre coloris. Vous avez le coloris vert olive, le coloris noir, le coloris coyote et le coloris multicam. Elles sont disponibles chez de nombreux armuriers. Si vous voulez identifier l'armurier le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à visiter notre site www.mp-sec.fr et vous trouverez la carte des revendeurs en ligne. Merci pour tout et à bientôt.